Bonjour à tous, j'espère que vous allez vraiment super bien. Je vais vous présenter donc mes prévisions saisonnières pour l'automne, donc septembre, octobre, novembre. Pour les prévisions de l'hiver, il faudra attendre pas longtemps. Je les ferai dans quelques jours. Alors, pour le mois de septembre, il commencerait donc tout d'abord, la première quinzaine serait très très douce, avec des anomalies de plus 2,5. Un plus 2 à plus 2,5 degrés, c'est la première quinzaine à l'échelle nationale. Et plutôt sec avec moins 20% de précipitations. La deuxième quinzaine serait plus fraîche, elle resterait au-dessus des normales de saison de l'ordre de plus 0,5. Je suis toujours fié aux normales de saison 1880, 1981, 2010, il faut savoir. Et les précipitations seraient dans les normales. On finirait ce mois avec une anomalie de plus 1,4 degré sur le mois et une anomalie de précipitation d'environ moins 10%. Voilà, donc ce qui ferait un mois chaud et plutôt sec. Pour le mois d'octobre, on annonce une première quinzaine plutôt chaude, donc plus 1 degré environ sous les normales, entre plus 0,5 et plus 1 degré. Et il y a des précipitations de l'ordre de plus 20%, mais elle se suivra d'une seconde quinzaine à nouveau plus chaude, donc de l'ordre de plus 1 degré, et une anomalie de précipitation de moins 20%, ce qui ferait en mois d'octobre de plus 0,8 degrés en moyenne, donc à une échelle donc de plus, ouais, vous voyez, entre plus 0,5 et plus 1 degré, et des précipitations qui seraient dans les normales de saison. Pour votre mois de novembre, on annonce une première quinzaine plutôt fraîche, avec entre moins 0,5 degré et 0 degré en dessous les normales de saison cette fois, et des précipitations qui seraient légèrement excédentaires de l'ordre de 5 à 10%, bon. Allez. 0 à 20%, du coup. Et durant la seconde quinzaine, on aurait un temps un peu plus doux, de l'ordre de plus 0 à plus 0,5 degrés. Plus proche de plus 0,5 degrés, on est d'accord. Et les précipitations seraient déficitaires de l'ordre de 10% environ. Donc 0 à 15 années. Ce qui ferait un mois donc dans les normales de saison et avec des précipitations excédentaires de l'ordre de plus 10%. Parce que si oui, l'ordre de plus 10%. Et donc je vais vous faire mes prévisions saisonnières pour les autres mois dans les jours à venir.